Parmi les événements dramatiques qui la touchent dès l'âge de 19 ans, Eva, la perte de son père, Albert, qui décéda le 29 juillet 1994 à Gaza. 4 ans plus tard, le 14 mars 1998, sa grande sœur Elodie, âgée de 30 ans, décède à Gaza. Un troisième décès frappe la famille en 2016. Emportant cette fois l'aîné de la famille, Jean-Pierre, qui décède à l'âge de 72 ans. Malgré ces disparitions successives qui attristeront beaucoup Eva, elle garde son espoir, sa confiance. C'est une femme souriante, aimée, aimée de tous, entourée, toujours prête à rendre service, dévouée, toujours disponible, cœur sur la main. Eva s'est éteinte le dimanche, on peut tout, 2021, à 6h50. En laissant derrière elle ses deux filles, Pauline et Elodie, et une famille. Eva. Oh, Eva. Eva était une personne exceptionnelle, en pensée, en acte, en don de soi. Eva était tellement immense en générosité et grandeur d'âme qu'elle doit avoir une place auprès de Dieu la plus proche. La meilleure des places sous l'intention de Dieu. Il va lui rendre au centuple tout le gigantesque bien qu'elle a fait sur terre. Son cœur a débordé. C'était une personne bien. Et je pèse mes mots. Ce n'est pas un vain. Eva, oh Eva, Eva toujours attentive à l'autre, avec constamment le souci de l'autre, de donner le meilleur d'elle-même au plus grand nombre. Eva. Eva, le monde qu'il a croisé et côtoyé, lui dit un énorme et grand merci, tellement haut et unanime que l'écho s'élance et résonne à travers le monde. Pour tous ceux et celles qui ont eu la chance et l'honneur de croiser les bras. La tête levée vers le ciel où elle se trouve aujourd'hui, son âme magnifique auprès de Dieu, elle est encore attentive aux autres depuis là. À ne pas douter. Ceci étant ici-bas encore sous son attention. Là où elle est, elle nous réserve encore sa grande attention positive. Célébrons le fait d'avoir connu Eva. Célébrons Eva, une personne extraordinairement active à la personnalité hors du commun, singulièrement attentive à l'homme. Elle incarne tout cela en acte, don de soi, la générosité, chevillée à l'âme. Elle se demandait toujours ce qu'elle pouvait bien faire pour elle, comment bien et mieux faire. Même en ces gestes, celui-ci serait tellement rempli de monde qu'il en était tendu. Bon, grand et fort. Eva, son cœur était tendu vers le meilleur d'une main ouverte qui accueille et écoute, ceci invitant le mouvement réciproque à son écoute. Sa gentillesse était remarquable. Eva est auprès de Dieu et auprès de nos aveux. Eva, tu es auprès de Dieu. On te célèbre, Eva. Tu nous as fait l'honneur de te connaître. On te célèbre, Eva, au cœur lumineux. On garde et on gardera ce bien de toi lumineux. On a tout de suite senti ta grandeur d'âme. Oh, Eva, ce prénom que tu as incarné merveilleusement bien résonne dans notre cœur, dans l'espace béni et lumineux de celui-ci. Eva, déployant en acte tout ce que tu pouvais faire de mieux, et également en chantant régulièrement avec brio et calme. La chorale, sa chorale, comme elle aimait dire, le cœur chante pour toi et toi. Ils ne cesseront de le faire pour tous. Un don imprimé par le don talentueux que vois au-dessus de nous, nous emportons. Vers les plus belles pensées à l'égard de tous, on ressent à l'écoute de tous ces chants, cette motivation qui vous est connu, de faire don de l'autre à Dieu, don à l'autre, don à Dieu, avec votre voix comme instrument intermédiaire extraordinaire pour que les voies et chemins et vies de chacun soient en délit. Eva,
pas, ton sourire attentif et légendaire, et va, Dieu te célèbre, tu es auprès de lui, il sait qui t'a inspiré incessamment, inlassablement, il te réserve une place de choix auprès de lui. J'invoque, j'invoque, j'invoque la lumière pour lui. Et va, on prie pour toi, Martha. On prie pour toi, Batma. On prie pas pour toi partout et pas. Ton âme ne cessera jamais d'illuminer nos cœurs et nos consciences. Merci. Thank you.
Nous
Nous devons donner notre vie pour nos frères. Parole du Seigneur. Oh,
Le Seigneur soit avec vous. Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des loups. Il placera les brebis à sa droite et les loups à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Verset 15, décrivait la douleur et la tristesse de Rachel qui pleurait ses enfants qu'elle venait de perdre. Je voudrais pouvoir les répondre et les appliquer à notre famille paroissiale dans ce deuil et cette tristesse dans laquelle nous a profondément plongé la brusque et brutale disparition de notre chère sœur Eva. Qu'il me soit alors permis de reformuler ainsi ce passage du prophète. On entend des cris à Évry, des lamentations, des larmes amères. C'est la communauté paroissiale d'Évry
qui pleure sa fille Eva. Cette communauté refuse de consoler, car Eva n'est plus. C'est la cause, c'est tes larmes, sèche tes yeux, lui dit également le Seigneur. Ses parents, je voudrais pouvoir également les reprendre, les appliquer à sa famille biologique, la famille Nkama, ainsi que toutes les familles qui lui sont alliées dans ce deuil et cette tristesse dans laquelle les a profondément plongé la brusque et brutale disparition de leur chère fille Eva. Il me soit permis de reformuler dans ce temps encore ce passage du prophète en ces termes. On entend des cris à Corbeil et à Bagna, des lamentations, des larmes amères. C'est la famille Mpango d'Arim et les familles parentes et amies qui pleurent leur fille Eva et refusent d'être consolées car Eva n'est plus. En citant ce passage du prophète Jérémie, frère et sœur bien-aimés de Dieu, je voudrais tout simplement me faire le porte-parole de tout notre secteur pastoral, de tous les prophètes qui sont nombreux ici, et plus précisément notre communauté paroissiale de la cathédrale d'Évry, pour présenter à la famille d'Eva nos sincères condoléances, l'assurer de l'opportunité de nos prières et lui dire que ce deuil n'est pas son deuil à elle et à tout seul, mais encore notre deuil à nous tous, et que c'est nous tous qui sommes inconsolables de ce départ brusque et brutal de Eva. Oui, départ brusque et brutal, dis-je, car c'en est vraiment un. Le samedi 14 août, nous étions ensemble avec les bambandés pour un mariage dont Eva et Bernadette avaient assuré impeccablement les mentions de chien. Le dimanche 15 août, Eva a assuré avec Josiane l'animation des chants de la solennité de l'Ascension ici même à la cathédrale. Le samedi 21 août, Eva s'apprêtait à animer un mariage ici même à la cathédrale, mais ne se sentant pas bien, elle s'est vue obligée d'abandonner l'animation de ce mariage à Francie et à Bernadette. Le dimanche 22 août au matin, très tôt de bonheur, j'ai été réveillé par un coup de fil m'annonçant le décès de notre sœur Eva. C'est vraiment un départ brusque et brutal. Oui, que la famille spirituelle par la sœur d'Eva soit inconsolable, que sa famille humaine et biologique soit inconsolable, cela ne peut que s'entendre. Mais si l'on peut comprendre que nous soyons inconsolables, non, nous dit saint Paul. Il ne faut pas que nous soyons abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance, nous dit-il. Surtout, pas nous qui avons bien connu Eva et qui devrions être réconfortés par les lectures que nous venons d'entendre. Mais bien aimé, nous disait à l'instant Saint Jean dans la première lecture, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et nous avons tous écouté hier soir, tout à l'heure d'ailleurs, hier soir avant de la veillée, et tout à l'heure d'ailleurs dans le monde d'accueil, tous les témoignages faits sur Eva. Toujours là pour les autres. Toujours prête à s'oublier soi-même pour les autres. Capable d'aller s'endetter elle-même, rien que pour venir en aide à une soeur ou un frère dans le besoin. Eva, au-delà de son tempérament explosif que nous le connaissons tous, est une cœur
qui a le cœur sur la main. Elle est une femme qui a le cœur sur la main. Son tempérament explosif, que nous connaissons tous, n'est qu'une carapace derrière laquelle se trouve une belle arme. Un gant de vélo dans une main de fer pour un plaisir. Eva est tout simplement une belle âme. Une très belle âme qu'il faut connaître pour aimer. Il faut la connaître pour l'aimer. Eva, à vrai dire, nous avons été sérieusement et honnêtement bouleversés, perturbés, troublés, désarçonnés par ton brusque départ. Mais, s'il est vrai, comme les lectures que nous venons d'entendre viennent de nous le rappeler, que c'est sur l'amour que nous serons jugés et que c'est celui ou celle qui n'aime pas qui reste dans la mort, alors, Eva, nous sommes rassurés. Rassurés car tu as coché toutes ces cases de l'amour du prochain durant ta vie parmi. Va donc en paix, Eva, et entre dans la joie de ton maître, ce maître dont tu as passé toute ton existence à chanter la gloire. Amen. Amen. Qu'elle découvre désormais celui qu'elle
a cherché et servi dans la foi et l'espérance tout au long de son chemin sur la terre. Ensemble, prions. Yeah.
Thank you.
toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, je te prie. Sans au moment d'être prié d'entrer librement dans sa passion, il le prie. Il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Dans l'unité du
qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui tout ce qui est conduit la vérité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Bénédiction et l'aimé de Dieu, le Père et l'Esprit paternel, manifestons-nous sur les prochaines. Mort pour nous, ressuscité dans la gloire,
Nous te supplions pour ta servante Eva. Fais que purifiée à la part du Christ, elle est en partage la gloire des élus conviendra l'heure de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veillons nous asseoir. Nous avons un frère qui va faire un petit témoignage, mais avant que les témoignages commencent, nous sommes 13 prêtres. 13 prêtres, nous disons en latin, bonum diffusivum, le bien est ce qui fait soi-même sacrifice. Nous n'avons pas été suppliés, payés tous ces confrères pour qu'ils viennent en célébrer les obsèques de Eva. Dans le bien qu'Eva a fait de son vivant, lui-même se bien à faire sa compagnie, sa compagnie. Qu'est-ce que signifie l'expression latine? Bon, diffusir ou soudre. Donc nous avons à mon côté notre grand frère Emmanuel, qui a été curé ici, que vous connaissez très bien, le père Espoir, qui est avec vous. Je passe le micro aux autres pour qu'ils puissent se présenter rapidement. Père Joseph de la famille. Sévère de la famille. Père Armand. Père Jacques. Père Olivier de la famille. Père Gustave. Père Armand. Le Père Benoît Vincent. Dieu cesse de dire que le Saint-André des Alpes. Père Barthélemy. Père Boris Sigla de la famille. Ma cousine chérie, adorée, vous venez être.
Aujourd'hui, je me tiens là, dans cet endroit, face à tous, pour te rendre mon dernier hommage. Jamais, grand jamais, on aurait pensé avoir un peu de choses aussi difficiles, et certainement pas, avant de ton 46e anniversaire. Tu es entré dans ma vie il y a 30 ans maintenant, j'avais 16 ans, toi, 15. Ça a été le coup de foudre immédiat que j'avais rencontré comme toi, ma petite sœur, que je n'avais jamais vue. Nous revenions de Libreville, un séjour avec papa, nous venions de passer 3 ans à l'école. Nous avons décidé de venir en France pour faire nos études. Notre rencontre a été une évidence. Une harmonie, une entente, une complicité immédiate. Comme l'a rappelé Yannick la dernière fois, tu étais comme un aimant, impossible d'être neutre. On ne pouvait pas rester longtemps avec toi. Au départ, tu passais à la maison tous les week-ends principalement, puis, après avoir demandé l'accord de l'anti-école, tout à marié avec petite Juliette et maman, tu es venu t'installer avec nous à la maison dans le 13e arrondissement de Paris. C'était plus pratique pour aller à ton lycée que au centre de Paris. Et pour notre plus grand bonheur, à mes frères Yvan et Jacob, encore bébé alors, nous avons vécu une des plus belles périodes de notre vie. Pendant nos études, nous avons une relation forte. Tu avais choisi modéliste et styliste, et je t'ai encouragé et soutenu, et même quasiment créé le jour du bac. Grand moment. Là où moi j'étais convaincue que tu avais réussi, tu étais convaincue du contraire. Tu ne voulais pas y aller. Après une longue négociation, tu as mis fin à mes actes de tyran. Tu pleurais, tu es là pendant le trajet, dans le métro, et la rue, tout le monde regarde. Mais tu t'en moquais. Avant d'arriver au lycée, devant le panneau, nous avons croisé ta prof principale que tu adorais. Elle était tout sourire parce que tu avais cartonné à l'examen. Et toi, toujours convaincu d'avoir raté, tu t'excusais en pleurant en gendarme. C'était toi, ça, Emma. C'était toi. On pouvait passer très rapidement du rire aux larmes, puis des larmes au rire. Gérer de grandes émotions pour toi. Ce que tu nous demandes là aujourd'hui de gérer, toi-même, tu n'aurais pas pu gérer. Après cet épisode du bac, une première école de stylisme, puis une orientation vers un BTS chaussures. On a tellement ri, BTS chaussures, tu te rappelles, BTS chaussures. La première fois que tu as rapporté un escarpin, on a ri encore, jusqu'à en pleurer. Alors qu'il était bien ce choix, inconscient que nous étions ici, nous avions regardé les paires de chaussures de Martin à l'époque, nous t'aurions encouragé à continuer dans cette voie, mais tu étais déçu. Les gens du milieu du stylisme de la mode avec lesquels tu travaillais, tu avais besoin d'affect, de vraies relations avec ce milieu de la mode, c'était tout sauf ça. Alors tu as décidé de témoigner de ce milieu. Pour toi, honnêteté, exemplarité, authenticité étaient les qualités minimales des gens qui t'entouraient. Donc, avis aux personnes malhonnêtes ou mal intentionnées que tu croisais, tu vas y aller passer ce chemin. Et en parlant d'exposition, nous avons parlé. Parmi tes nombreuses passions, tes deux merveilleuses filles, Pauline et Elodie, et le chant. Au départ, quand tu nous as dit que tu chantais, on peut tellement rire de toi. Une fois de plus. Et oui, à la maison, tu nous fais tout le temps les uns les autres, et tu ne fais pas en reste dans mon pays. Jacob a même baptisé Beyoncé. C'est dire si on nous croyait, mais tu nous as fait mentir et démontrer que tu avais trouvé ta voix dans tous les sens du terme. Chanter dans un cœur, louer le Seigneur, telle était ta voix. Tu as participé à 3 combats, rien ici. Une autre famille, cela a d'ailleurs causé quelques troubles pour ton foyer, mais l'appel de Dieu était le plus fort. Aujourd'hui, nous sommes dans la cathédrale de Lévis et tu es tant investi pour te rendre hommage. La boucle est bouclée. J'aurais tant d'anecdotes à vous raconter, parce que vous savez que nous sommes pas avec Eva, mais il me faudrait bien plus de temps et de temps pour compter. L'ambiance, les anecdotes, les moqueries,
cet amour de l'autre que tu as transmis avec de l'amour aussi. Je me rappelle ta demande solennelle vers Stéphane, mon mari et moi-même, nous acceptions de devenir d'abord marraine de Pauline, puis parrain d'Élodie Mostel. Quel honneur! Quel honneur je vous ai fait, ma sœur! Quel honneur! Et aujourd'hui, quelle responsabilité tu nous transmets. Mais nous avons accepté et nous le ferons. Nous serons présents pour les filles. Comme tu nous l'as demandé. Je vais arrêter ce récit, déjà trop long, mais qui me fait du bien à partager avec vous tous. Je dois arrêter pour laisser place, comme on le dit, mais aussi pour accepter de dire. Je refuse depuis ce dimanche 22 août que je t'ai vu de te dire au revoir dans le même temps de nuit, que je te laisse aller. Hier soir, les gars m'ont demandé la chanson Waouh, 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 que tu l'as chantée depuis qu'elle est petite. Je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas pu le dire. Je sais que tu n'aurais pas voulu me voir triste. J'entends presque ton rire en bruit de fond depuis le début, à chaque fois que tu viens, depuis que j'ai commencé mon récit. Amandine nous rappelait que lors des veillées mortuaires, tu disais souvent au sujet des morts qu'il fallait les laisser partir. Alors, puisque c'est ta demande, je consens aujourd'hui à te laisser partir, ma petite sœur chérie, pour rejoindre les tiens qui les reposent en paix. Sois sans crainte, nous veillerons sur tes merveilles. C'est avec tristesse que tu nous as quittés ce dimanche 22 août. Nous n'avons plus le temps de te remercier pour tout ce que tu as fait pour le petit moment. Nous te remercions pour tout le monde. Et à leur repos, nous nous reverrons, mes
d'émotions, de prières, d'affection, mais aussi des paroles qui nous ont donné grâce et lumière. Si l'on est joie passée par le bas, nous allons maintenant clore cet instant de prière et de célébration. Oui, avant de nous séparer de l'unité et d'accompagner tout à l'heure Eva au cimetière où elle dormira du sommeil des justes, nous allons tous ensemble, nous voulons le dire un dernier adieu, avec respect et affection, nous la confions à la miséricorde du Dieu notre Père, dans l'espérance de la retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de Thomas, aura triomphé de la mort. Aussi recueillons-nous en pensant à ce que vous, communauté ici présente, avez vécu avec Eva, tellement intense, tellement beau, mais aussi à ce que nous, famille, avons vécu avec elle depuis Bakongo à Brazzaville, ici à Paris, à Bagneux, où sa grande sœur s'est installée. Nous pensons à ce qu'elle a été pour chacun et chacune d'entre nous, mais à ce qu'elle est désormais pour Dieu, son seul et unique Père. Nous nous recueillons un instant. Oui, là, sur le seuil de sa maison, Dieu notre Père t'attend et ses bras sont devant pour toi.
de tes enfants réunis pour t'offrir la vie des vins qui s'est offerte et qui s'offre à toi aujourd'hui. Merci pour la communauté de cœur et de prière. Vous nous avez fait découvrir que
Eva avec une grande famille. Merci à vous, merci aux amis prêtres, merci aux prêtres de l'après-guerre. Que Dieu vous le rende aussi. Merci. Mesdames, Messieurs, à présent je vais vous inviter tous et toutes à venir auprès des marches, auprès de son cercueil, afin de faire un dernier geste. Geste qui vous sortira de votre cœur. Pour faire ce geste, j'invite dans un premier temps les gens qui sont assis du côté de mon côté droit, de votre côté gauche, puis après de l'autre côté. Vous invitez à passer par l'allée centrale, puis une fois votre geste fait, je vous invite à regagner l'entrée de l'église en passant par la porte qui est sur le côté. Je vous demanderai, s'il vous plaît, une fois sorti sur le parvis, de ne pas trop rester proche de l'entrée, mais essayez de vous éloigner, nous sommes très nombreux. Je vous en remercie et je vous demande aussi une invitation des collègues qui se trouvent dans les allées. Merci à vous. Vous êtes nous en train de mettre la célébration de la personne Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mama, 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 mama
Coca-Cola. Et sœurs, rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Confiant au Seigneur, notre sœur qui nous quitte, en disant ensemble, donne-lui Seigneur le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre sœur, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as sanctifié Eva dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu la nourris de ton corps. Reçois-la à la table de ton royaume, nous te prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as connu la mort par amour pour nous, et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure-toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection.
au moment d'ensevelir notre sœur, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Eva de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu la réveilleras pour qu'elle voie de ses yeux la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Dans l'espérance de la résurrection, que notre sœur repose dans la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Mufini janita fungula mambu mana ili kiri kandimba kanya moko ila janita tanta mingi wena janita ene muka muja kuyo kete susa mambu ani Mufini janita fungula Mama ilikiri kandika kana mo Mila jani takasa mingiwe ajani jabele Muka kudia kudio kereke so kusura mamu mami Mili nasa mwe muna tseri kushe Kibaka kia kono kumaruwa Kibaka Rends lui Seigneur le repos éternel et que brille sur elle la lumière de ta face. Olivier Banek, ça.
présent, nous allons procéder à l'inhumation. Chacun, chacune, à venir auprès de sa tombe afin d'y faire un dernier geste. Vous pouvez le faire à l'aide des pétales qui sont mis à votre disposition ou faire tout autre geste que votre cœur vous dictera. Une fois votre geste fait, je vous demande s'il vous plaît, c'est très important car normalement le cimetière doit fermer, je vous demanderai s'il vous plaît de regagner directement l'entrée du cimetière. Je vous remercie. Eva.
L'entrée du cimetière pour un temps de partage, de communion et d'amitié. Merci, merci à vous tous. À quelle adresse ? Juste à l'entrée du cimetière. Autant que vous m'avez pas bien entendu. Ouais, là c'est Monsieur Francis. Francis Malonga. Il est fait que c'était au filet. Ah, je suis. Je va aller chez maman Dix, ça va aller chez. Ça va.
tellement une fois comme c'est normal. Nous, on t'y va pas là. Nous, on t'y va pas là. Nous sommes là aux obsèques de notre petite sœur Eva. Eva Ponzo. Très attristée, très touchée. Moi, je l'ai rêvé le 13 août. Et je l'ai appelé le 14 août. Et il m'a dit, Yaya, ne t'inquiète pas, les choses vont aller. À mon retour, j'apprends ces mots. Vraiment, nous sommes désolés. Merci, merci, merci. Bonjour mon frère. Ça va? Monsieur Bidi. Voilà, j'ai repris ça. Oui. Ah, ouais. Ah, ouais. Le quartier. Le quartier d'abord. Je suis là. Hein? Ah.